Comme tous les ans, la FDSEA de la Mayenne a organisé les fermes ouvertes. L'école de la Providence et de l'Immaculée de Laval ont visité l'exploitation porcine de Monsieur et Madame Beaujean à Loiret. La mascotte Gertrude et les enfants ont pu assister à la naissance de Porcelet. La FDSEA de la Mayenne organise cette année, comme déjà depuis plusieurs années, les fermes ouvertes sur les mois de mai ou juin. L'intérêt est de faire rencontrer les écoliers mayennais et les agriculteurs. Il est important que nous, agriculteurs, nous communiquions sur notre métier. Il est important pour les enfants de savoir d'où vient le produit qu'ils ont dans leurs assiettes. Chaque année, c'est une vingtaine d'exploitations qui ouvrent leurs portes à ces jeunes enfants, ce qui représente à peu près 300 à 400 enfants qui viennent visiter les exploitations. Des ateliers dessin et pâte à modeler leur ont été proposés. La matinée s'est terminée par une dégustation de lait. Monsieur et Madame Tréton de Courbevoie ont accueilli l'école Marcel Pagnol de Laval. Après un passage obligatoire dans le pédiluve, les enfants ont pu donner un biberon de lait aux petits affamés. Monsieur Tréton a initié les enfants à la traite. Vers 7h, quand vous vous levez, donc nous on fait la traite, et le soir on fait encore la traite vers... Après, quand vous êtes sorti de l'école, quand vous goûtez à la maison, on fait la traite une deuxième fois, donc deux fois par jour, toute l'année. Toute l'année, tous les jours, tous les jours. Chacun a pu apercevoir le lait de la traite du matin dans le tank. Ils se sont empressés de nourrir les génisses. Monsieur Tréton a expliqué le fonctionnement des machines agricoles utilisées sur son exploitation. C'est important de faire comprendre aux enfants qu'un agriculteur produit des aliments et qu'il entretient la nature. Les enfants ont dû retrouver quel aliment contenait du lait. Dans le maïs, qu'est-ce que c'est ?